Les voisins. Chacun a un voisin. Tout le monde, au moins, a un voisin. Je crois. Là, c'est pas du texte. Hein, je... Oui. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a une maison, et puis à côté, il n'a personne. Enfin, où... Attendez, il a une maison. À côté, il y a un voisin. Enfin, moi, chez moi, je suis là, j'ai un voisin, j'ai un voisin. Donc, j'ai deux voisins. J'ai une voisine et un voisin. Voilà, par exemple. Il peut avoir une maison, et à côté, il n'y a pas de voisin parce qu'il n'y a pas de maison. Il est loin, mais... Comment ? Il peut être loin, le voisin. Ou peut-être un voisin... Loin. Lointain. Un voisin... Éloigné. Éloigné, ça serait comme un voisin germain. Voilà. Moi, j'ai changé de travail. Voilà, c'est bien. Et puis, le deuxième thème, c'est donc la nostalgie. Quand tu y tiens, la nostalgie, moi, c'est... Ma nostalgie, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. Et la Kabylie, c'est quoi? C'est un ciel... Je déteste la lumière. Il y a des ciels qui ne ressemblent pas aux autres ciels. Et celui de mon village, il est bleu, bleu spécial. Même la nuit, il est bleu, il ne se dérange pas, et il ne se fatigue jamais d'être bleu, qu'on dirait que c'est son métier. Il fabrique les étoiles. Avec mon frère Daoud, on s'amuse à les attraper, parce qu'elles ne sont pas hautes. Mais il faut lever les mains très haut, comme ça, vers le ciel. Les enfants, disait ma mère, ne regardez pas trop les étoiles. Mais pourquoi les mains? Parce que si on regarde trop les étoiles, elles tombent exprès dans les yeux des enfants. Mon frère et moi, on ne croit pas. On est têtus plus que notre bourreau. Alors sans que ma mère, elle nous voit, nous, on ouvre nos yeux le plus grand qu'on peut plus, et on regarde de toutes nos forces les étoiles dans leurs yeux tellement qu'elles ne bougent pas. Tellement qu'elles respirent plus. Que notre mère, elle arrive dessus. Yuma, je l'ai dit, mais vous écoutez pas. Mon frère, dans ses yeux fermés, pleure. Ouvre-moi l'œil que je l'attrape, dit ma mère. Ouvre. Une étoile était tombée dans l'œil de mon frère. Et je me dis, ah, enfin, on en tient une. Ouvre-moi l'œil que je l'attrape, dit ma mère. Et notre mère plonge toutes ses mains et arrache l'étoile. Il ne faut pas regarder trop les étoiles, disait ma mère. Et ce jour-là, cette nuit-là, dans notre Kabylie, il ne nous manquait pas une étoile.
extrait du livre. Il n'est pas dans l'œil de mon frère. Merci, Bouddhi. Au revoir.